Aux États-Unis, Steve Mnuchin et Tom Price dans le viseur des démocrates. Les candidats au Trésor et à la Santé n'ont pas pu être confirmés ce mardi. Les démocrates du Sénat ont en effet décidé de boycotter la réunion. La commission n'a pas pu procéder au vote. Les démocrates, qui sont minoritaires au Sénat, ne peuvent pas bloquer les nominations, mais ils ont décidé de tout faire pour retarder la confirmation de l'équipe gouvernementale de Donald Trump. Une attitude stupide pour le républicain Orrin Hatch. Nous venons d'être informés il y a quelques minutes d'une liste de revendications de la part des démocrates. Ils ont eu la courtoisie de ne pas nous l'avoir fait parvenir il y a une semaine. Ça aurait pu être traité même si c'était trop tard, car on avait déjà eu les audiences. On a eu plein de réunions, on a travaillé ensemble, j'ai cru qu'ils seraient prêts à voter aujourd'hui. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les élus démocrates sont aussi parvenus à faire reporter à mercredi le vote pour confirmer Jeff Sessions au ministère de la Justice. Ce sénateur fidèle à Donald Trump est considéré comme l'inspirateur de sa politique anti-immigration.